Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et combien de soins le Seigneur parce qu'il a accepté que nous soyons là devant sa présence pour la continuité de notre enseignement. Nous prenons Apocalypse chapitre 17. L'évangéliste va prendre le troisième verset. Il va descendre jusqu'au quatrième. Nous lisons Apocalypse 17, 3e verset. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Terminé à partir du 5e verset. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous ajoutons 1 Pierre parce qu'il faut que